vous allez bien. Je suis un petit peu avachie parce que en fait j'ai un problème de positionnement de mon téléphone. Enfin bref, je vous laisse arriver. Bonjour. Comment ça va? Est-ce qu'on m'entend bien? Merci d'ailleurs, j'en profite. Merci pour l'avis que tu m'as laissé ce matin sur le podcast. C'était chouette. J'espère qu'il a plu ce nouveau podcast, d'ailleurs j'en profite pour en parler. Il y a un nouvel épisode de podcast qui est sorti ce matin sur mes astuces pour se lever motivé. On a bien besoin en ce moment, en tout cas moi j'en ai bien besoin et je pense qu'il a déjà pas mal d'écoute, donc je pense que c'est un sujet qui intéresse. Alors du coup, aujourd'hui, j'en profite. Bonjour, je laisse un petit peu les personnes arriver. Bonjour, bienvenue. Juste petite annonce. Donc les lives que je fais le mercredi à midi, je vais les continuer, mais j'ai eu... alors oui, on me dit qu'il n'y a pas de son, donc, et pourtant on me dit qu'il y a du son aussi à côté. Donc dites-moi si vous êtes plusieurs à me dire que vous ne vous entendez pas. Dites-le moi. S'il y en a plus, sinon normalement ça devrait fonctionner. Hein. Alors oui, donc ce que je disais, c'est que les lives du mercredi midi, j'ai eu quelques petits retours comme quoi des fois c'était un petit peu long, et c'est vrai qu'en fait moi des fois aussi je me suis un petit peu, je m'emballe souvent et bah, des fois même si je dépasse l'heure après, bah, l'application se coupe, donc ce que je fais, c'est que je vais essayer de faire des sujets un petit peu plus courts et laisser quand même un petit peu le temps aux échanges, aux questions s'il y en a. Mais ça permet aussi peut-être de prendre moins de temps sur la pause du midi. Et pour les personnes qui regardent aussi en IGTV, donc en replay, bien voilà, c'est un peu plus rapide à visionner. Donc voilà la petite nouvelle. Sinon, j'en profite également pour vous dire qu'il reste encore des places pour le webinaire de demain. Voilà. Donc demain, le 5 novembre à 18h, je fais un webinaire sur la détox, donc la détoxification ou détoxination. Et parce que j'ai aussi des retours de personnes qui ne comprenaient pas forcément le terme détox et avaient peur en fait du terme détox, la détox, ce n'est pas un régime. En tout cas, c'est pas comme ça que en naturopathie on le voit, et c'est pas comme ça que moi je l'entends. Donc le webinaire de demain ne sera en aucun cas dédié à une perte de poids. Pas du tout. Donc, le webinaire de demain sera là pour vous expliquer ce que c'est une détox, quelles sont les différentes toxines, et surtout, il y a 4 étapes un petit peu particulières que, voilà, à mon image, on va dire, pour réaliser une détoxination douce du corps et sans frustration ni quoi que ce soit. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est en barre d'infos. Si jamais vous n'êtes pas disponible, il y aura un replay. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je pense que ce sera un audio et puis vous aurez l'audio et le support, voilà, à disposition pour le regarder et en prendre connaissance plus tard. Et voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Maintenant, si tout fonctionne bien, voilà, bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler, pour faire un live pas trop long non plus, d'un petit sujet assez léger, mais qui pourrait être intéressant en cette période. Donc aujourd'hui, le contexte étant là, je pense que les apéros visio reprennent. Donc tout ce qui va être effectivement dit sur ce live ne sont pas forcément que pour des apéros visio. Mais bon, aujourd'hui, on fait des apéros plutôt visio. Donc voilà, je trouvais sympa de parler ça. Je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes alternatives auxquelles on peut penser pour se créer un apéro visio, entre guillemets, sain et nutritif. Et puis, bah, voilà, encore une fois, dans un but de ne pas créer de la frustration, de ne pas s'empêcher de vivre, de prendre du plaisir, encore moins dans un contexte où on est déjà, bien... comment dire, voilà, on n'a pas forcément tous le moral, que ce soit pour différentes raisons, parce qu'on est cloîtré chez soi, on voit moins de personnes, ou parce qu'on a des craintes par rapport à notre travail, par exemple. Donc, ce n'est pas le moment de se remettre de se reflageller une fois. Donc, laissons-nous la place à des moments sympas. Et vous allez voir qu'on peut très bien créer un apéro-visio de manière sain et nutritif. Voilà. Donc, si ça vous tente, on part tout de suite. Pareil, si, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aussi d'autres idées qui viennent compléter ce que je viens de dire, par exemple, n'hésitez pas à les partager. Ça permet de compléter mes propos et de les rendre encore plus riches. Voilà. Alors, dans un apéro, il y a forcément des boissons. Donc, les boissons, généralement, on parle souvent de boissons alcoolisées. Top! Comme thématique, bravo, Alexandra. Merci beaucoup, Décoratem, c'est gentil. Bon, tu diras si c'est sympa après l'avoir écouté. Donc, pas de souci si tu ne peux pas rester, il y aura le replay, normalement. Donc, oui, donc je vais arrêter de me couper et ce que je veux dire, voilà. Donc, dans les boissons, souvent des boissons alcoolisées qui sont riches en sucre, qui sont justement... des boissons qui vont encrasser le foie et empêcher le foie de réaliser son rôle de détoxination. Donc, on parlait juste avant de détox pour le webinaire de demain. Et bien là, justement, l'alcool, c'est une boisson qui va au contraire empêcher le processus de détoxination naturelle du corps. Donc, forcément, c'est quelque chose que l'on va éviter. Mais... un apéro, surtout si c'est un apéro, s'il y en a pas tous les 4 matins, il y a quand même quelques alternatives auxquelles on peut penser pour les boissons. Donc souvent quand on dit boisson, moi je sais que dans le Nord, on parle souvent de bière. Bon, moi j'aime pas la bière, donc comme ça moi ça s'est fait, mais c'est quand même une boisson favori dans le Nord. Et dans ce cas-là, eh bien, offrez-vous, vous quand même vous offrir une bière, mais dans ce cas déjà une, pas 15 000. Encore une fois, l'équilibre hein, et la juste mesure. Et plutôt opter pour une bière qui soit artisanale plutôt que pasteurisée ou industrielle. Tout simplement parce que la bière artisanale va être plus riche en levures. Donc les levures, c'est ce qui va permettre à la flore, enfin ce qui va enrichir la flore intestinale. Donc c'est même plutôt une bonne nouvelle. Alors qu'une bière qui va être industrielle aura été pasteurisée et du coup aura perdu tous ses ferments intestinaux. Oui. Excusez-moi. Oui. Oui. On a le four qui est en train de fonctionner, donc voilà, on va l'arrêter. Donc bref, tout ça pour dire qu'une bière pasteurisée va perdre justement ces bienfaits-là, ces levures qui sont au contraire plutôt intéressantes dans la bière justement et n'aura plus aucun, bienfait. Donc voyons la bière comme un aliment sain à condition qu'il soit consommée avec modération, mais dans ce cas préférez-la artisanale et bio. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, le vin. Donc, quand on parle après d'alcool, on parle aussi de vin. Donc, dans le vin, bien effectivement, on va avoir le blanc, le rosé et le rouge. Dans le cas d'un apéro sain, je vais plutôt vous conseiller d'aller vers un vin rouge. Pourquoi? Parce que le vin rouge va être riche en antioxydants, qu'on appelle le resveratrol. Compliqué à dire. Resveratrol, quelque chose comme ça, je me cours toujours. Il est compliqué à dire ce mot, mais en tout cas, c'est un antioxydant qui va être donc intéressant pour réduire le stress oxydatif et l'oxydation des cellules. Et on dirait, il y a quelques études qui diraient qu'il y aurait aussi, le vin rouge aurait des vertus anti-cancer. Donc voilà, encore une fois, une bonne alternative va être plutôt de préférer un verre de vin rouge. Le blanc et le rosé vont quant à eux être 1, plus sucré, 2, plus acidifiant. Donc si vous ne savez pas ce que j'entends par acidifiant, je vous renvoie au live de la semaine dernière sur l'équilibre acido-basique et seront beaucoup moins riches en antioxydants. Donc clairement, les options vin blanc et vin rosé sont à limiter. Et voilà, je vous conseillerais de plutôt vous pencher et vous tourner vers du vin rouge, mais encore une fois, toujours avec modération. Il faut savoir que la quantité recommandée pour une femme va être de 1 verre par jour et pour l'homme jusqu'à 2 verres par jour. Je ne dis pas qu'il faut forcément prendre 1 verre par jour ni 2 verres par jour pour un homme, mais en tout cas, ce sont des quantités maximales recommandées journalières pour un homme et pour une femme. Sachez que de toute façon, quoi qu'il arrive, que l'alcool va de toute façon avoir des effets sur votre foie, donc quoi qu'il arrive, la modération est de rigueur, mais d'autant plus le vin blanc. Voilà pour tout ce qui va être au niveau des boissons avec alcool. Je passe les autres boissons riches, enfin les autres boissons très alcoolisées, très fortes en alcool, type vodka, whisky, etc., qui sont, elles, très, encore une fois, très riches en alcool et donc très agressives pour le foie. Voilà, moi, je vous ai pris les exemples bateaux qu'on a un peu tous chez nous à la maison. Mais demain, si vous allez au supermarché acheter de la bière, allez acheter de la bière artisanale et bio. Et si vous voulez du vin pour votre apéro, prenez un apéro à un vin rouge. Excusez-moi. Pardon, je suis désolée pour le bruit. Désolée. Ensuite, vous avez d'autres options pour les boissons. Vous avez aussi l'option sans alcool, justement, qui peuvent être tout à fait intéressantes, et très intéressantes pour le coup, et fun. C'est pas parce qu'on boit pas d'alcool que c'est pas fun, hein. Au contraire, on peut très bien s'amuser et prendre du plaisir sans alcool. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs options. Vous avez l'eau gazeuse, tout simplement, hein, si vous voulez quelque chose de pétillant. Vous avez l'eau gazeuse à laquelle vous pouvez rajouter des fruits ou des légumes que vous avez laissé macérer, par exemple, toute une journée, hein, du concombre, de la menthe fraîche, des fruits rouges, par exemple. Vous avez également la possibilité de vous faire un jus de pomme pétillant, par exemple. Donc, le jus de pomme est une boisson riche en sucre, on est d'accord, puisqu'on n'a plus de fibres ni rien, mais par contre, ça reste quand même une meilleure alternative que certaines boissons alcoolisées ou d'autres boissons type jus de fruits industriels. Vous prenez un jus de pomme bio ou alors vous le faites vous-même, par exemple, encore une fois en quantité raisonnable. Vous prenez par exemple ça dans votre verre et vous complétez avec de l'eau gazeuse. Finalement, vous avez beaucoup moins de ratio de jus par rapport à l'eau. Et ça vous fait quand même un jus de pomme qui est pétillant et qui est sympa en bouche. C'est beaucoup mieux que le champomy qui va être, lui, bourré de sucre, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de prendre du kéfir ou du kombucha. Donc, je ne sais pas si ce sont des boissons que vous connaissez et que vous consommez, mais le kéfir et le kombucha sont des boissons riches en probiotiques. Donc, ce sont vraiment des boissons qui sont réalisées à partir de champignons et de bactéries, en fait, mais des bonnes bactéries pour notre flore intestinale. Donc, au contraire, ça va vraiment être des boissons qui vont être très intéressantes d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue de la santé intestinale. Après, ce sont des boissons qui peuvent être un petit peu sucrées de temps en temps, selon la boisson, enfin selon le kombucha par exemple que vous allez acheter. Moi, ce que j'aime bien faire, parce que j'aime juste avoir un petit peu de goût comme ça dans mon eau, c'est que pareil, je fais un peu comme le jus de pomme. Pour le coup, je ne peux peut-être pas faire un tiers, deux tiers, mais je vais faire moitié kombucha et je vais compléter avec la moitié d'eau gazeuse de manière à garder une boisson qui soit gazeuse et sympa en bouche, sans forcément avoir un verre entier de kombucha qui peut être un petit peu sucré. Après, de temps en temps, vous prenez un verre de kombucha, c'est même très très bon pour la flore intestinale, encore une fois. Le kombucha, c'est un petit process un petit peu plus compliqué à réaliser. Le kéfir, c'est beaucoup plus simple à faire soi-même. Moi, je fais du kéfir de fruits, donc en fait, ce sont des bactéries particulières, hein, que j'ai trouvées, que j'ai troquées chez des voisins pas très loin, parce que faut savoir que le kéfir, les graines de kéfir sont des graines qui prolifèrent très très rapidement. Moi, j'ai récupéré ça en un petit pot de confiture comme ça de graines. J'en ai trois pots à compote comme ça. Enfin, j'exagère un peu, mais en gros, j'ai multiplié par 3 ma quantité de graines de kéfir sans faire grand-chose. Donc, n'allez pas forcément en acheter, hein. Troquer et trouver des personnes qui en ont. Moi, je le trouvais sur des groupes Facebook, par exemple. Donc, voilà, en 2 heures, j'avais trouvé des graines de kéfir. Et ensuite, vous avez des recettes. J'ai une recette sur mon site internet qui vous explique comment faire du kéfir. J'ai aussi une recette. Non, je ne suis même pas sûre que ce soit sur mon site. Faut voir. Sur mon site, peut-être que je dois l'avoir, mais je l'ai aussi sur un de mes e-books, l'e-book Immunité, il me semble. Et je vous explique comment faire du kéfir très simplement et de manière économique. Et ensuite, bien, je parlais d'un e-book, mais vous avez aussi l'option des jus de légumes, par exemple. Alors, vous avez des jus qui sont intéressants. Vous avez plein de sortes de jus. Un jus de légumes, c'est pas forcément un jus de céleri qui au départ, en goût, peut être un petit peu particulier. Mais vous pouvez très bien avoir des jus de légumes super bons en bouche et qui vont être, pour le coup, bourrés de vitamines et bourrés de minéraux et qui seront, au contraire, qui seront des grands alliés pour votre santé. Donc, vous pouvez très bien prendre un apéro et vous faire complètement du bien pour la santé. Vous avez par exemple, qui peut être intéressant à faire, un jus de légumes qui peut se faire en début de repas du coup ou en apéro, qui est bon pour le système digestif. Ça va être le mélange fenouil, ananas et menthe fraîche. Ça, c'est une recette sympa qui est très très bonne, qui est assez douce. Et qui est du coup bonne pour la digestion, donc qui est intéressante à prendre avant le repas. Vous avez aussi plein d'autres jus de légumes que je vous ai concocté dans mon e-book Boisson Santé. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Vous avez plein de recettes et je vous explique aussi les bienfaits de chaque ingrédient. Mais en tout cas, vous avez de quoi vous faire plaisir pendant un apéro. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées, vous, de boissons, par exemple? N'hésitez pas à les partager. Donc, je répète, la bière plutôt bière OK, mais artisanale et bio. Le vin OK, mais du vin rouge, puisqu'il va être riche en antioxydants et intéressant pour des vertus anti-cancer. Hein, mais bon, c'est pas boire du vin rouge qui va vous empêcher d'avoir un cancer. Attention, modérons les propos. Mais en tout cas... ça va plutôt être dans la bonne direction. Et aussi du vin bio, bien sûr, parce que le raisin c'est l'un des fruits les plus riches en pesticides. Donc, si votre vin n'est pas bio, autant dire que vous avez une boisson bourrée de pesticides. J'ai oublié de le dire, mais c'est très important. Et dernière chose, pour les sans-alcool, vous avez des jus de légumes, vous avez du kéfir, du kombucha, vous pouvez aussi... vous faire un petit jus de pomme bio que vous diluez dans de l'eau gazeuse, une eau gazeuse avec des aromates dedans, etc. Voilà, vous avez plein de choses. Vous pouvez vraiment vous amuser pour vous concocter des boissons ultra sympas. Et pour tout ce qui est alcool, encore une fois, modération, tout simplement. Voilà. Coucou Audrey, je viens de voir que tu es arrivée. Alors, ensuite, si vous n'avez pas, vous, d'autres suggestions au niveau des boissons, je vous propose... de passer à la nourriture, parce qu'un apéro sans nourriture, c'est pas un apéro. Donc, la première chose à laquelle on peut penser quand on pense apéro, on va penser chips, crackers, enfin bref, tout ce qui va être croustillant. Là, pour le coup, alors fenouil, jus de tomate, tout à fait. Jus de tomate fait partie un peu des jus de légumes, mais c'est une très bonne idée. Ouais, jus de tomate avec une petite pointe de sel au céleri, par exemple, ça peut être intéressant si vous aimez ça. Tout à fait. Alors pour les chips, tout ce qui va être chips et crackers. Donc là, la première chose que je vous conseille déjà, c'est très simple, c'est pas forcément de ne pas manger de chips. Voilà, donc on parle pas de ça, mais on parle plus de comment choisir les bonnes chips, d'accord? Donc, pour trouver des bonnes chips, déjà, il faut les prendre bio, de manière à ce que les pommes de terre utilisées soient sans pesticides, encore une fois. Évitons au maximum d'ingérer des toxines. Déjà qu'on en produit suffisamment nous-mêmes, donc essayons de ne pas en ingérer de l'extérieur. Donc, des chips qui soient bio. Des chips sans huile trans ni des huiles dites hydrogénées. Je vais en parler pas mal demain aussi dans mon webinaire, mais sachez, pour être très très rapide, c'est que en fait, ce qu'est une huile hydrogénée, c'est un process industriel que justement les industriels utilisent pour permettre à l'huile qui est utilisée pour la friture de résister aux hautes températures. Et donc, ce processus-là va complètement changer la structure moléculaire de l'huile et va la rendre pro-inflammatoire, et ce qui va causer plein de maladies, toutes les maladies actuelles que l'on a, cardiovasculaires, maladies chroniques, douleurs digestives, etc. etc. Enfin, ouais, toutes les grosses maladies un peu du siècle sont causées par une alimentation pro-inflammatoire. Donc, dans les aliments pro-inflammatoires, on a le lait de vache, par exemple, mais on a aussi toutes les huiles hydrogénées. Et toutes les huiles hydrogénées, on les retrouve dans tous les aliments transformés, y compris les chips. Mais bonne nouvelle, vous avez des marques de chips, surtout les marques bio, on va dire, mais pas que, il me semble, qui vous proposent des chips avec des huiles végétales non hydrogénées. Donc, prêtez attention à ça. Quand vous regardez votre paquet de chips, quand vous allez l'acheter, regardez et veillez à ce qu'il y ait 3 ingrédients maximum. Pour faire une chips, rien de plus simple. Il faut de la pomme de terre, il faut de l'huile, il faut du sel. Vous avez plus que ça dans votre liste d'ingrédients, c'est qu'il y a un souci. Et ensuite, la dernière chose à laquelle veillez, c'est que l'huile utilisée ne soit pas une huile trans ou une huile hydrogénée. Privilégiez une huile, par exemple, de tournesol qui est généralement utilisée. Donc, un paquet de chips bio avec pommes de terre bio, sel marin, du sel marin qui va être riche en iode et pas du sel raffiné, et une huile de tournesol seront les 3 éléments qui vont vous permettre de vous rassurer sur la qualité de votre paquet de chips. Ok ? Alors, Françoise qui dit « J'ai fait des chips avec épluchure pommes de terre ». Ah ouais, bonne idée. Eh ben, écoute, très très bonne idée. C'était bon ou pas? Voilà, faut nous dire. Donc, si j'ai bien compris, tu as épluché tes pommes de terre et tu as mangé la peau. Alors, j'ai envie de dire « Pourquoi pas ?» en soi, mais de toute façon, la friture va, quoi qu'il arrive, une température à haute température va dénaturer les vitamines du légume. Donc, c'est vraiment pour le fun de manger quelque chose de frit. Après, de manger les épluchures comme ça, on va dire que c'est une astuce plus zéro déchet que nutritive. Si tes pommes de terre étaient bio, par contre, c'était pas c'est pas un problème non plus. Voilà. Après, est-ce que c'était bon? Je sais pas. En tout cas, les huiles hydrogénées sont vraiment à bannir. Donc, voilà, sur les chips. Je pense que, voilà, il y a quand même moyen de se faire plaisir. Après, ne mangez pas non plus tout le paquet de chips. Ou en tout cas, pas tout le paquet de chips à tous les apéros visio, si vous en faites tous les jours. Ensuite, vous avez d'autres alternatives possibles. Moi, j'aime beaucoup pour avoir ce côté craquant. Déjà, les oléagineux, tout simplement. Mais les oléagineux, encore une fois, sans sel ni huile ajoutée. Donc, prenez idéalement en vrac, en magasin bio, encore une fois, je vous donne l'idéal. Mais en tout cas, au minimum, des huiles qui soient sans sel et sans huile ajoutée. En fait, juste la cacahuète pure, la noix de cajou pure, l'amande, la noix, ce qui vont être d'ailleurs un apport en protéines et en bonne graisse végétale. Ne mangez pas 3 poignées de cacahuètes, 3 poignées de noix de cajou, 3 poignées d'amandes, parce que, encore une fois, c'est un excès et c'est beaucoup trop calorique et gras, et de toute façon, vous allez ressentir sur l'estomac. Une petite astuce pour essayer d'en manger un petit peu moins, c'est par exemple si vous achetez des pistaches, prenez le temps de les décortiquer, du coup vous en mangez moins. Et si vous achetez des cacahuètes, achetez-les entières, par exemple, encore avec leur j'ai perdu le mot, mais leur écorce, mais c'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais bon, qu'on appelle ça, mais achetez-les entières, comme ça en fait vous discutez, vous épluchez, vous mangez, vous discutez, vous épluchez, vous en mangez, et du coup à la fin vous en mangez moins. Donc voilà, ça c'est une petite astuce aussi. Alors au sujet, donc absolument mes pommes de terre bio et ne pas jeter. Ok, donc c'était vraiment plus pour une astuce zéro déchet. Ok, à tester, pourquoi pas. Autre chose que j'aime bien faire, moi, pour le côté croustillant, c'est tout simplement prendre des pois chiches. Je prends des pois chiches, alors soit je les ai achetés, moi, en vrac, je les ai fait tremper, je les ai cuits, et puis ensuite ils sont froids, soit je les achète dans des bocaux en verre, hein, pas dans des conserves, mais dans des bocaux en verre. Et en fait, je les mélange dans un saladier, je mets un petit peu de sel marin, je mets quelques épices de mon choix, je mets un filet d'huile de sésame, parce que l'huile de sésame résiste à la chaleur. Et ensuite, je mélange tout et je passe ça au four. J'étale ça sur une grille et je passe au four. Et là, en fait, je laisse à peu près 20 minutes, à peu près. En tout cas, jusqu'à ce que ça croustille. Et puis, une fois que c'est croustillant, je sors et on a des pois chiches qui sont qui sont juste croustillants, et en snack, en apéro, c'est super sympa. Et du coup, on a une bonne alternative pour le coup aux cacahuètes salées ou autres petits ou autres crackers industriels. On a des choses croustillantes qui va être, voilà, qui va être riche en protéines végétales, donc une très bonne alternative. Ensuite, je pense que ça, vous connaissez tout ce qui va être dips de légumes. Voilà, tous les légumes que l'on peut manger crus, c'est une bonne manière de manger un petit peu de cru. Et en plus de venir activer les enzymes digestives, manger cru en début de repas va permettre justement d'activer une meilleure digestion par la suite. Donc d'intégrer des légumes crus en apéro, par exemple, ça peut être intéressant pour la digestion derrière. Donc par exemple des carottes, du concombre, des tomates cerises, du chou-fleur blanchi mais encore croquant, donc qui a été blanchi 2 minutes dans l'eau bouillante, des champignons frais qui ont été juste nettoyés. Après ça dépend aussi de la saison par exemple, et ça va être vraiment super bon, croquant, différentes textures. Et derrière ce qui va être intéressant, c'est de créer des sauces qui vont raviver un peu la chose. Donc là, vous avez différents types de sauces. Vous avez tout ce qui va être à base de légumineuses, de ce qu'on appelle les houmous, donc de pois chiches, des houmous de lentilles aussi, des houmous de haricots rouges. Vous pouvez vraiment varier vos légumineuses pour varier les saveurs et les couleurs. Vous pouvez intégrer du poivron grillé dedans, des tomates séchées, des betteraves pour aussi apporter encore un peu plus de vitamines et puis une autre saveur tout simplement, et pour le plaisir des yeux. Vous pouvez aussi vous faire une sauce de type tzatziki et en utilisant plutôt soit un yaourt de chèvre ou de brebis ou un yaourt de soja par exemple, et dedans vous mettez des fines herbes, de l'ail frais, une graine de sésame par exemple, et des petits morceaux de concombre si c'est la saison encore une fois, ou des petits morceaux de poivron, des choses comme ça, ou même des tomates séchées finement coupées. Donc voilà, il y a pas mal de choses possibles. Vous pouvez faire aussi un guacamole, donc un guacamole maison. Donc tout simplement prendre un avocat bien mûr et puis l'écraser, tout simplement. Vous pouvez aussi faire un guacamole de courgettes. Donc c'est la même chose, vous pouvez mélanger courgettes et avocat, moitié-moitié par exemple. Voilà, donc il y a plein de choses possibles, et en plus pour accompagner les légumes. Et en plus, ces mêmes sauces-là, vous pouvez les réutiliser pour vous faire des petits toasts d'apéro. Et là, si vous faites des toasts, privilégiez du pain, un bon pain pour le coup. Prenez pas un pain de mie plein de sucre, plein d'huile hydrogénée. Ne prenez pas un pain que vous achetez à la boulangerie blanc qui va être une bombe à sucre, qui va être des calories vides. S'il vous plaît, prenez du bon pain. Si vous mangez du pain, prenez du bon pain. Donc du pain au levain, idéalement au levain. Si vous avez une boulangerie qui en fait à côté ou un magasin bio. Parce que le levain va être plus riche beaucoup moins riche en sucre, puisque les levures du levain auront mangé tout le sucre. Donc à la fin, il y aura beaucoup moins de sucre disponible dans le pain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et il va être beaucoup plus nutritif, justement, par rapport à la présence des levures. Donc privilégiez le pain au levain, ou au moins, après, un pain de seigle, d'épeautre, de farines anciennes. Voilà. Donc des pains qui vont être beaucoup plus nutritifs, et bannissez le pain blanc pour vos toasts. Voilà, alors ensuite la ciboulette, oui, on peut rajouter de la ciboulette par exemple dans les sauces, tout à fait. Est-ce que j'ai d'autres... Oui, je voulais refaire une petite passe sur le levain, juste pour vous donner un dernier argument qui va peut-être vous faire passer au pain au levain maintenant. C'est que dans le levain, donc qui sont juste des bactéries en fait, des levures, le levain va inhiber l'acide phytique. L'acide phytique, c'est un acide que l'on a dans beaucoup d'aliments, notamment beaucoup de légumineuses, et ce qu'on appelle un antinutriment. Ça veut dire qu'il va empêcher l'absorption et la bonne assimilation des nutriments que vous allez ingérer quand vous allez manger. Ce qui est bien dommage. Et donc, du coup, le levain inhibe cet acide phytique. On peut aussi inhiber l'acide phytique en faisant tremper nos légumineuses. On en enlève une bonne partie. Mais en tout cas, le pain au levain est une manière aussi d'inhiber l'acide phytique. Donc, voilà, dernière alternative. C'est vraiment l'alternative super intéressante. Vous pouvez aussi faire des blinis à la patate douce. Donc, il y a pas mal de recettes sur Internet que vous pouvez trouver à base de patate douce. On peut faire des petits pancakes à la patate douce, des gaufres à la patate douce. Donc, vous faites ça en petits, ou après, vous les coupez. Voilà, vous avez plein d'astuces pour faire des supports en fait à sauce ou à pâte ou à tartinade, autre que des crackers, des tortillas industrielles et tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai deux choses aussi qui sont souvent utilisées en apéro. On a le fromage. Voilà, donc le fromage, encore une fois, sans excès, mais surtout, aller plutôt vers des fromages de brebis, par exemple, ou de chèvres, qui vont être beaucoup plus digestes, beaucoup moins pro-inflammatoires que le lait de vache. Et surtout, éviter les fromages qui ont été affinés, c'est-à-dire tous les fromages à pâte dure, parce que ces fromages-là sont beaucoup plus acidifiants pour le corps. Encore une fois, je vous renvoie au live de la semaine dernière sur l'équilibre acido-basique du corps. Et donc, du coup, privilégier plus des fromages frais. Voilà, donc plutôt fromages frais et des fromages de type chèvre et brebis. Encore une fois, avec modération, mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes, qui vont quand même vous apporter des bons lipides, qui vont quand même vous apporter des protéines du coup animales si vous consommez du fromage, bien entendu. Je ne vous pousse pas à en consommer, mais en tout cas, c'est une alternative si vous en consommez. Et dernière chose que vous pouvez faire, sont des petits muffins, des petits cakes salés, par exemple. Et ensuite, vous faites des tranches. Donc, vous avez pas mal de recettes aussi, encore une fois, des cakes à base de tomates séchées, de courgettes, etc. Là, c'est plus pour l'été. Vous pouvez aussi faire pour la saison des cakes à base de patates douces et de potirons. Ils sont excellents. Il y a beaucoup de recettes qui tournent en ce moment sur ça. Et vous pouvez faire des petits muffins au potimarron, par exemple, avec des graines de courge, des graines de sésame. Et derrière, vous avez vraiment, pour le coup, un apéro qui est limite un apéro plutôt dînatoire. Hein. J'ai envie de dire que derrière ça, si vous faites tout ça et que vous mangez tout ça, vous n'aurez plus besoin de manger après. Donc, voilà. Alors, Françoise, si on n'aime pas le chèvre, quelle est l'alternative? Le brebis. Le brebis. Après, ce que je dis, vous pouvez quand même aller sur du fromage. Si c'est de temps en temps, on va dire... et avec modération, du fromage à base de lait de vache, mais dans ce cas, du fromage frais et pas du fromage affiné. Voilà, parce que le fromage affiné est plus acidifiant. En tout cas, voilà toutes les différentes alternatives que j'ai pu vous proposer en termes de boissons ou de nourriture. Trois choses à retenir, j'ai envie de dire. Un, ne vous privez pas. De toute façon, plus vous allez vous priver, plus vous allez craquer et vous allez faire apéro sur apéro, cochonnerie sur cochonnerie, et ce sera pire que tout. Donc, vous avez envie de faire un apéro, voilà, que ce soit visio ou pas visio, faites-en un. Quoi qu'il arrive, tout ce que je dis à chaque fois, c'est avec la modération, tout simplement, parce que c'est une question d'équilibre. Voilà. Prenez des choses de qualité. Faites vous-même si vous le pouvez, ou en tout cas, achetez dans ce cas de qualité. Et si vous achetez tout fait, prenez avec le moins d'ingrédients possible. C'est les mêmes bases que d'habitude. Et notamment sur les chips, je vous rappelle, les chips, 3 ingrédients. Pommes de terre bio, sel marin, huile de tournesol. OK? Pour tout ce qui va être alcool, voilà, avec modération. Et la troisième chose à laquelle quand même qu'il faut garder en tête, c'est que dans un apéro, surtout un apéro que, voilà, tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, là, il y a plein de choses différentes. Il y a plein de catégories d'aliments différents. Donc, si vous mettez en place, si vous utilisez tout ça, prenez conscience que vous allez quand même avoir un apéritif qui va être déjà très complet, mais surtout, qui va potentiellement être compliqué à digérer. Pourquoi? Parce que vous avez plein d'aliments différents. Et sachez que la digestion se passe bien quand votre repas est le plus simple possible. Donc là, effectivement, si on mélange des chips, des légumes crus, des sauces à base de légumineuses, de légumes cuits, de l'avocat, et puis on rajoute par-dessus des muffins à base de farine, et on rajoute du fromage, et puis on mélange ça avec un verre de vin, etc. Oui, ça va être un petit peu le bazar. Donc, la dernière astuce pour vous, c'est peut-être essayer de faire des apéros à thème, par exemple, et éviter de mélanger trop de choses. Faites peut-être, si vous faites un apéro simple, vin rouge ou bière chips, par exemple, et bien dans ce cas, c'est pas plus mal, c'est très simple. bière artisanale, chips bio avec 3 ingrédients maximum. Si vous voulez faire un vin, un apéro à base de légumes, eh ben, prenez par exemple du vin rouge, un petit verre de vin rouge, et puis faites-vous des légumes crus avec différentes petites sauces. Après, pour faire un autre apéro avec, par exemple, plus des toasts et des muffins. On va être plus sur une catégorie de farine, on va dire. Mais voilà. Sachez juste, encore une fois, si ça arrive une fois dans la semaine, c'est pas grave. Si vous écoutez qu'à la fin de l'apéro, vous avez plus faim, bah, arrêtez de manger, tout simplement. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le petit live d'aujourd'hui. Un live assez court, droit au but, concret. C'est un peu les genres de live que j'aimerais faire prochainement. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire non plus, d'ailleurs. Encore une fois, regardez bien les étiquettes. Évitez le glucose, les additifs et tout ça. Je vous invite encore une fois... à rejoindre le webinaire de demain si vous êtes disponible et intéressé. Et puis encore une fois, j'ai mes e-books qui sont en ligne et qui vont vraiment beaucoup plus dans le détail. Et mes lives, je tiens aussi à repréciser une dernière chose, c'est que les lives sont des conseils généraux. Voilà. Donc j'ai des fois des questions très spécifiques sur oui, moi je dis ça, comment je dois faire, etc. Malheureusement, je ne peux pas répondre à ce type de personnes. Pourquoi? Parce que, c'est contraire à la déontologie. Je ne peux pas donner des conseils santé comme ça en direct devant tout le monde, d'une part, ou même sans vous connaître, tout simplement. C'est pas sérieux, tout simplement. Et deux, je risque de vous donner des conseils qui ne sont pas vraiment adaptés à votre cas, que vous n'allez pas supporter, parce qu'encore une fois, chaque personne est différente, tout simplement. Donc, c'est le risque de vous faire plus de mal que de bien. Donc, si vous avez vraiment des questions spécifiques à vous, des problématiques à résoudre, je vous invite à aller voir quelqu'un, une personne, un médecin, une diététicienne, une naturopathe, une praticienne en Ayurveda, si vous le souhaitez. Choisissez la personne qui vous convient le mieux, le métier, l'approche qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, une personne qui vous répond à des conseils comme ça, à des conseils spécifiques, qui vous répond comme ça, sans plus vous connaître, attention. Voilà. Donc, je suis désolée par avance si des fois je peux créer de la frustration, mais c'est plus pour votre bien que pour vous créer de la frustration, croyez-moi. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Peut-être donner quelques petites idées pour un futur apéro. Si jamais vous avez d'ailleurs un apéro à venir et que vous êtes inspiré, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer. Ce sera avec plaisir. Et puis, du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à midi pour le prochain live. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à me les partager. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore pour votre présence aujourd'hui, c'est super sympa, j'adore pouvoir échanger avec vous. Et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine et surtout, rendez-vous pour le quiz de samedi. Allez, bonne journée, à bientôt.